Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. What's going on, guys? Et bienvenue pour The Binding of Isaac Rebirth. Alors, c'est un petit jeu que vous pouvez avoir pour 15€ sur Steam. Alors, il y avait The Binding of Isaac, le premier, en fait. Après, il y a eu un petit DLC dont je ne me rappelle plus le nom. J'avais découvert ce jeu, en fait, en regardant les vidéos de Epic Game Bro. Et j'ai voulu tester. Et c'est vraiment un jeu assez addictif en fait, parce que tout est randomisé, tout est au hasard, donc chaque nouveau jeu en fait est différent. Et maintenant en fait on a Rebirth, donc en fait c'est un remake du premier, donc beaucoup plus d'objets, beaucoup plus de monstres, de salles, de zones, enfin voilà, plein de trucs en plus, donc plutôt cool. Donc les options, il n'y a pas grand chose, hein, c'est un petit jeu, hein, c'est pas du Dark Souls. Donc on va commencer. Alors qu'est-ce qu'on a comme personnage? Maintenant il y a un hard, un normal et hard mode. Donc ça c'est nouveau par contre. Alors on a Isaac. Donc vous pouvez voir la vie, le speed et la force. Unlocked by having seen hardcom. Ok. Magdalene. Kane, lui aussi, il était avant. Judas aussi, je crois. Yves aussi, on l'avait. Je crois que celui-là, c'est nouveau. Azazel aussi, je pense. Lazarus, ça, c'est définitivement nouveau. Eden, ça, c'est nouveau aussi. Random, ok. Donc, on va commencer avec Isaac. Donc, voilà. Ça, c'est notre petit jeu. Alors voilà, donc assez facile, on a des clés, on a des bombes et on a des sous, on a trois cœurs, donc c'est le basique du jeu. Donc le but du jeu c'est d'esquiver, de pas crever et de tuer tous les monstres, et on a des boss, tout ça, et tout est à chaque fois fait au hasard, donc ce qui est vraiment pas mal. C'est qu'à chaque nouveau jeu qu'on commence, ça va être différent. Donc,
Il y a aussi les graphismes qui ont été un peu améliorés. Enfin, les effets de lumière, tout ça. Ça, c'est le boss ou pas? Je crois pas. Non, ça, c'est un objet, ok. Fear Shot. Oh, wow. Alors, il y a plein d'objets, différentes combinaisons d'objets, en fait, on peut avoir. Je me rappelle plus de tous les objets, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Donc, celui-là, je sais pas. Je crois que c'est nouveau, celui-là. Je sais pas ce qu'il va, on va voir ce que ça fait, les larmes de couleur jaune. S'il y en a une qui veut bien sortir... Ah, j'ai pas touché. Donc vraiment, le jeu assez fun. Avec une bonne musique aussi, j'aime bien la musique. Enfin, le mieux c'était surtout du premier Binding of Isaac, parce qu'il a été fait par un mec qui fait de la musique et tout, enfin, c'était très bien. Ah, ça c'est nouveau, c'est ça. En fait, avant c'était que des salles carrées. Ah, on dirait que c'est du poison en fait que je balance, d'accord. Ça c'est cool. Avant c'était que des salles carrées qui sont à peu près toutes les mêmes. Là maintenant il y a des salles plus longues, en longueur, plus grosses. Donc assez sympa. Donc jeu qui peut paraître facile, mais en fait à des moments on va voir que c'est quand même ça devient super dur. Ouais, c'est du poison que je balance, c'est cool ça. Donc on a une bombe, on va la garder parce qu'au cas où. On a aussi des salles secrètes, faut détruire des murs. Oh la vache. Boum, boum, boum. Des salles secrètes, on a... Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Il y a vraiment beaucoup de trucs, et c'est vraiment bien. Enfin, pour un petit jeu comme ça, c'est vraiment super, quoi. Donc ça, c'est le boss, je vais juste faire un petit tour avant. Est-ce qu'on peut détruire ces pots, non? On a des objets à utiliser, on a des... différents trucs. Oh, la vache. Oh, mamma mia. Ah, poison. Ah. Piu, 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 piu. Ah, il crève, vas-y. Oh, saloperie. Voilà. Oh, la vache. Yay. Poison est cool, ça c'est bien nouveau et c'est bien cool. On peut avoir des sortes d'animaux de compagnie. Alors c'est enfin des animaux, c'est plutôt des monstres. Est-ce qu'on utilise notre clé ou pas? Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est un magasin, merde, c'est vrai qu'on a pas grand chose. Faut que je m'en rappelle parce que c'est vieux, parce que j'avais joué au premier il y a quelques... Je crois qu'il est sorti il y a un an ou un peu plus peut-être. Donc ça c'est le magasin, mais on n'a pas de sous. C'est quoi ça? Donation. Ouais, ça c'est nouveau. On va aller en bas. Oh! Ah, le feu rouge, je crois qu'il... Ouais, il tire. Voilà. On peut... Voilà, on peut... J'allais le dire en fait, bah, c'est bien, c'est bien tombé. On peut récupérer des sous dans... Oh, on n'a pas de clé, merde. Des sous dans les feux ou les merdes sur le sol. Ça je crois on passe dessus en fait, c'est un... ça va nous faire du mal, bien sûr on va perdre un cœur je crois ou la moitié d'un, et plus on le fait en fait et on risque d'avoir une récompense ou ça. Fait chier, j'aurais pas dû utiliser ma clé. Donc à chaque fois c'est des petits c'est des... comment dire... des choix qu'il faut faire pour bien pouvoir continuer. Après il y a une salle secrète, donc en fait c'est le truc, c'est de mettre une bombe pour ouvrir, mais je suis très mauvais à ça pour... donc je vais pas le faire, je vais garder ma bombe pour l'instant. Donc on va faire le boss. Larry Junior. Larry. Bon, Larry est plutôt facile. Je sais pas ce que ça fait exactement ce poison, parce que ça a pas l'air de faire des dégâts. Ça a l'air de les ralentir ou de leur faire peur. Merde, je me suis fait toucher par quoi? Oh putain.
Il y avait une mouche. Une mouche là. On a vraiment pas de dégâts. Un peu la merde. Ouais, j'ai l'impression que ça leur fait. Ils essayent de m'esquiver après une fois qu'ils sont empoisonnés. Avec ma chance, je vais sûrement pas pouvoir le finir. Régénération plus HP, hop, ça c'est cool ça. Donc on a plus un en cœur maintenant. Ouais, avec ma chance, parce que c'est basé sur ce qu'on fait, nos choix, et la chance surtout, d'avoir des bons objets. Poum poum poum. Bah bon, on va passer au niveau suivant. Parce que ça rend le truc assez dur du coup. Donc à chaque fois on a des petits trucs comme ça marrants. Basement. Ça, si on passe là, on va perdre un cœur. Je vais pas le faire maintenant, je vais peut-être le faire après. Alors ça, c'est un magasin en bas du coup, donc on en a pas besoin. Enfin, je crois que c'est un magasin ça. Oh la vache, c'est quoi ce truc? Ah ouais, en fait ils s'enfuient hein, quand ils sont empoisonnés. Ouais, ah, c'est plutôt cool. Ah bien, deux clés et un cœur fantôme. Un cœur fantôme, c'est que en fait une fois qu'il va disparaître, bah il... c'est fini quoi. Ça c'est nouveau ces monstres. Ça va pas très très dur. En bas ça c'est quoi? Objet. Ah merde non, c'est magasin. Putain, il faut vraiment que j'apprenne. Faut vraiment que je me rappelle de ce que c'est les sites. Oh putain, il y a des sous partout. On a qu'une bombe donc on va pas la gaspiller. C'est quoi ces monstres? Ah, des fois c'est un peu chiant. Fou. C'est ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une merde pétrifiée. Oh merde. Oh putain, j'ai balancé la bombe. Comme un con. Ah mais ça va. Je récupère un peu. Je me rappelle plus des touches. Hop là, donc là on a ça, on a 4. On a 4. 4 sous. On peut avoir un cœur, non, c'est bof. On va revenir au début. On va aller à la salle de droite. Ah, bah tiens, c'est ça. Testons. Ça prend combien, un cœur ou... Oh putain, ça prend un cœur, la vache. Oh la merde, non. Je vais pas retester plus. Par contre, je vais aller là, on va voir ce que c'est. Alors, c'est quoi ça? Bitter pills. Balls of steel. Ça a l'air plutôt cool, ça. Alors, comment on utilise les objets? Putain, va falloir que je me rappelle. Tiens, j'ai un cœur là, je vais encore me... On va voir ça. Hop. Hop. Oh la vache. Ah merde, eux c'est les bons. Chier. Ça c'est les piles. Ok, on a récupéré. Luck. Chance. 98 heures d'énergie. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas prendre ça? Pourquoi je peux pas prendre ça? Peut-être parce que je peux pas enlever l'objet que j'ai en fait. Ouais, c'est possible.
Ouais, maintenant j'ai des cœurs de d'âme, donc je vais les garder contre le boss. Parce que je peux pas les régénérer. Je suis pas vraiment bon à jeu, hein, donc si je fais de la merde, je suis désolé. Aha. Monstre. Oh putain, depuis quand il a des amis, monstre? Oh la vache. Oups. Alors il y a extrêmement... Il y a un nombre, ouais, incalculable d'objets avec différents effets. Et on peut avoir de certains super combos en fait. Avec différents objets. Et qui rend vraiment le jeu facile. Là en fait ce qu'il nous faudrait c'est... Ah c'est marrant, un boss qui a peur. Qui a peur de nous. Qui recule. Ce qu'il nous faudrait en fait c'est de la force. Parce que là j'avoue que on merde un peu niveau force. Niveau puissance de tir. C'est pas le meilleur. La raison ton quoi. Oh putain. Hop là. Boom. Monstrous tooth has appeared. What is this? Oh la vache, les pilules. I can see forever. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ouais, là on peut voir. Alors la chance c'est le trèfle. L'arc c'est la. L'arc c'est la distance, les flèches c'est la vitesse de tir, l'épée c'est la force, les bottes c'est la vitesse de déplacement, et la boule là, le boulet de canon, en gros c'est la force. Non, c'est... et je sais pas. Bon, je sais pas, c'est tout nouveau. Elf up, est-ce que je l'utilise ou pas? Ça sert à rien normalement. I can't see forever. Je sais pas à quoi ça sert en fait. Alors là on va donner en fait deux cœurs permanents pour ça, mais je sais pas, non, un cœur permanent mais je sais pas ce que c'est ça. Ah je peux même pas le récupérer. Ah si. Oh la vache. Putain les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a quoi? Ah, c'est bizarre. Ce qui est marrant dans le jeu, c'est qu'on a plein d'effets comme ça. Ah, ok, I can see forever. Maintenant, je peux voir les trous dans le mur. Donc ça, c'est la salle secrète. Oh, la vache. Mais depuis que j'ai récupéré le truc de pile, là, j'ai des piles de partout, en fait. Oh, ça m'a donné un cœur en plus. Ça, c'est quoi? Luck, on va l'utiliser. Encore un cœur en plus. Encore un. Qu'est-ce que... % d'énergie. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais on peut pas le récupérer parce qu'en fait, je crois la merde fossilisée. Et je sais pas à quoi ça sert. Plutôt cool là. Ah, j'avoue que. Putain, il y a deux salles secrètes. Ça tue. Deux clés, allez. Oh, bien. Ouais. On peut détruire ça ou pas? Ah, ça nous ralentit quand on passe dessus. Maintenant, il y a un effet de lumière dessus. Ouais, c'est un coup, c'est sympa. Le cœur, oui. On a... Je vais peut-être acheter un truc. Non, ou pas. Non, voilà. Je vais voir s'il y a d'autres salles. Normalement, je pense pas, parce que ça ferait beaucoup quand même. Juste la salle du début, on va voir. Non. Plutôt cool le truc avec les pilules. Le truc des pilules, en fait, c'est assez random, c'est assez au hasard. Donc c'est un peu embêtant. Il y en a qui peuvent vous enlever des points de vie, hein, donc vous tuer carrément. C'est bizarre que j'ai un cœur à moitié blanc. Je sais pas.
Le truc sympa en fait ce jeu c'est que si on arrive à la fin, on a débloqué Magdalene. Et le challenge, ce dingue. Le knock challenge dit cursed. Yeah, la classe. Ah ok d'accord, donc le cœur blanc en fait c'est que si j'arrive à finir le niveau, c'est comme dans le premier en fait, si j'arrive à finir le niveau en gardant ce cœur là, il va devenir un vrai cœur. Voilà, c'est ça. Là il faudrait deux clés en fait. Ouais, je pense pas que ça vaut vraiment le coup. Est-ce qu'on peut... Putain, ah, ça fait chier. Non, je vais pas le faire. Pour l'instant, voilà, comme je disais, j'ai des... Oh la vache. Oh putain. Putain de monstre horrible. Ça c'est nouveau là, les trucs qui balancent des crânes, des os. Ça c'est quoi? C'est un magasin ou un objet? Ah, un objet. Non, c'est un magasin. Putain, mais je suis vraiment nul à ça. C'est pas grave, pas grave. Comme ça, je montre un peu tout. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi le truc qui... Putain, c'est quoi ces tirs? No. La musique était quand même mieux dans l'ancien, dans le premier, j'avoue. La musique là, elle est un peu fade, j'ai l'impression. On pourrait s'acheter une clé, parce que les clés c'est toujours quand même utile. Là, on pourrait aussi prendre ça. On en a deux. On va peut-être prendre les deux clés. Oh la vache. Oh. On va peut-être prendre Non, il n'y a que dalle ici. Utiliser les deux clés et en acheter une autre. Oh putain. Fucked up, fucked up. Allez, ça vous fait le truc de merde. Merci. Pour rien faire avec ces champignons. Oh la vache, c'est quoi ce truc? Oh putain, mais ça va vite. Tiens, pendant que t'as peur, casse-toi. Oh la vache. Ouais, musique un peu fade. J'avoue que le premier était mieux avec la musique. Et si vous prenez le premier, prenez-le avec l'album, le soundtrack, parce que les musiques sont excellentes. TNT. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils font? Je voudrais bien les faire exploser en fait. Quoique non, avec ce truc de poison, la fin de leur faire peur, ça rend... ça va, c'est assez pratique. Hop là, voilà. Est-ce qu'on peut le pousser ça? Non, on peut pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai utilisé la clé sans le vouloir, mais c'est pas grave. Et c'est pas mal aussi, c'est intéressant à chaque fois de découvrir des nouveaux objets. Tears up, knockback shot. Putain, ça tue. Donc en fait, knockback, c'est le truc pour pousser, hein, repousser. Donc on va pouvoir repousser les ennemis en tirant. Oh là là. Oh putain, ça c'est nouveau. Je passe. Gurdy Junior. Putain, c'est ce truc. Ouais, je les pousse maintenant avec mes larmes. Oh la vache. Oh putain, il court vite ce con. Oh, trace. Va crever.
Oh là, ah, ma main. Putain, le truc qui est complètement random. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, maintenant tu cours plus. Yay! C'est quoi ça? Speed, donc plus de vitesse. Le cœur bleu, je vais le garder. D'abord, qu'est-ce qu'on a des cœurs un peu partout, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Allez, allez, allez. Ah, c'est ça, je crois qu'il va falloir faire un combat en fait. Il va falloir combattre plusieurs adversaires pour récupérer un. Enfin, d'abord on récupère l'objet, puis après on va combattre. Oh merde. Un truc que j'aurais pas dû faire, c'est. C'est récupérer le cœur bleu. Parce que comme ça, si je m'en fais, vu qu'on a des cœurs rouges un peu partout dans la sur la map, j'aurais pu juste me soigner. Donc, c'est des petits choix comme ça, mais au fur et à mesure que vous en faites, oh là bah, je passe ceux-là, ils sont chiants. Ça va des fois vous aider ou des fois vous foutre dans la merde. Le truc c'est qu'il faut les tuer quand ils sont comme ça. Faut les finir. Ah putain, c'est trois vagues. Oh la vache, j'ai failli me prendre celui-là. No. J'aime bien en fait, c'est en attaquant, en avançant, comme ça, ça fait plus de larmes d'un coup. Donc voilà, on a récupéré le truc, c'est cool. On pourrait chercher la salle secrète, mais comme je disais, je suis assez mauvais dans ça. Oh, ça m'embête d'utiliser un cœur bleu. Allez, on y va quand même. Je suis trop curieux. Oh putain! Comme on dit, la curiosité est un vilain défaut, mais là, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dommage plus. Oh. Ah tiens, maintenant, on a ça. Ah, c'est plutôt cool. Le changement, comme ça. Tiens, on va laisser la map comme ça, un peu. Bon, peut-être avec le temps, c'est chiant. On va l'utiliser quand on veut. Ce que je vais voir, c'est Ouais, on a pas trop augmenté. Oh la vache! D'accord, c'est ça qui a augmenté. Waouh, c'est plutôt cool. Là, on est plutôt bien fort. Alors, on a qu'une clé. Alors, je vais en acheter une, je crois. Ouais, ça, j'y vais, allez. Deux bombes, ça va. Ça vaut le coup, quand même. Ça va. Est-ce que j'achète la clé ou pas? 5, je vais la prendre. Par contre, où elle pourrait être la salle secrète? Parce que j'ai 4 bombes. Je suis vraiment bidon à trouver les salles secrètes, donc... pourrait être là. Ouais. Je pourrais prendre ce coffre, mais bon, ça me ferait utiliser les deux clés, donc j'ai pas trop envie. Bon, on va passer au niveau... au prochain niveau. Hop, voilà, on n'ouvre pas. Ouais, je sais pas où c'est qu'elle pourrait être, ce sol. Peut-être là, en bas. Ah, j'ai envie. Yay! Hey.
C'est un peu de la déduction. Hop, c'est cool pour. Quoi? L'enfoiré, il m'a piqué des clés. Ah ouais, mais d'accord, en fait, il doit sûrement donner un objet pour des clés. Ouais, mais merde, là, j'en ai perdu deux. Oh, qu'est-ce que... Ça, c'est pourri, ça. Voilà, le jeu est bourré de trucs comme ça. Et bourré de petits trucs comme ça. Donc, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Là, on est plutôt bon, là, on tire et tout, là, c'est plutôt cool. Une sorte de démon. On va monter. Yeah, oh la vache. Oh putain, je sais pas comment je me suis pas fait toucher. Ça pète, ça explose ces merdes. Oh waouh. Wow. Oh putain, pas. Oh non, vas-y. Bizarre, y a rien là. Qu'est-ce que c'est que ça, putain. Sur le truc. Oh la vache. Je sais pas comment j'ai esquivé, mais j'ai esquivé. Oh 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 oh. Ça, on peut faire vraiment beaucoup de tirs. Ce serait bien qu'on ait de la puissance en plus. Et là, on fera un vrai carnage, quoi. Oh la vache, putain d'araignée.